Bonjour, je refais un petit bout de vidéo que j'ai déjà installée parce que je trouve que vous n'arrivez pas à lire alors que l'information est importante et donc je vous en remets un peu, même si je vous lasse un petit peu. Je suis allée chez la coiffeuse tout à l'heure et puis elle m'a parlé qu'elle avait son ballon d'eau chaude dans le garage, comme peut-être vous aussi, beaucoup de là. Et elle me dit dans le garage il fait 12. Donc, elle me dit, je vais dire à mon conjoint de mettre une couverture thermique. Ah, très bonne idée, je dis, je vais en parler sur ma chaîne. Donc voilà, je vous donne le tuyau. Ne laissez pas votre ballon d'eau chaude. Bon, il va chauffer votre garage peut-être, mais il va surtout consommer beaucoup d'électricité. Donc, couvrez-le d'une couverture thermique ou alors, je vois, un gros édredon qui le couvre bien. Et ça évitera qu'il se déclenche un peu plus, d'accord? Et n'oubliez pas ce que je vous dis à la suite de cette vidéo, le petit bout que je rajoute parce que c'est très important. Alors c'est très très important. Je vous l'ai dit, il va y avoir des coupures. Ils ne vous l'ont pas dit, mais je peux vous le dire, c'est prévu. Il y aura 2 heures de coupure tournante, soit le matin, soit midi, soit le soir. Et vous n'aurez pas de téléphone et vous n'aurez pas d'internet. D'accord? Alors là, je pourrais faire si les appareils électriques sont électriques, voilà, vous serez privé. Hein, ouais, voilà. Donc, c'est très important que les gens, les personnes qui ont un respirateur, qui respirent avec de l'oxygène, ou qui ont un appareil, la nuit parce ils ronflent, on leur a donné, ou ils font des apnées, on leur a donné un appareil pour se mettre au nez d'oxygène, fonctionne à l'électricité. Je vous demande d'appeler votre conseiller électricité de là où vous habitez, hein, regardez sur la facture le numéro de téléphone, et vous l'appelez pour vous signaler, parce qu'ils éviteront de couper l'EDF. Il y a des systèmes qui sont prévus pour les personnes qui sont sous appareil électrique. Hein, pour la santé, c'est très important, mais il faut que l'EDF soit au courant. Donc, il faut vous signaler. Signaler.